Bonjour et bienvenue au prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne. Mais qu'est-ce qu'un prieuré ? Un prieuré est un domaine rural légué à une abbaye. Siège principal d'une communauté monastique, il comprend des bois, des prairies et des terres cultivées. On y trouve également des moulins, des métairies, dont les redevances s'ajoutent aux revenus de l'exploitation. Pour gérer l'ensemble, les religieux construisent des bâtiments, souvent rudimentaires au départ. Et la plupart du temps, ils s'y installent durablement, avec à leur tête un prieur. Ah bah tiens, c'est pour ça qu'on appelle ça un prieuré d'ailleurs. Oui, le mot prieuré vient du mot prieur, lequel vient du latin prior, qui signifie le tout premier. Le prieuré exerce également une fonction religieuse auprès de la population locale. Au Xe siècle, le prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne est propriété de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers. À la Révolution, il devient bien national. Vendu comme ferme ou comme domaine agricole, il est successivement acquis par différents propriétaires privés. Ceux-ci y réalisent des aménagements. En 1957, il est classé monument historique. Et en 1988, lorsque la commune de Saint-Rémy-la-Varenne l'achète, il est dans un triste état. Et c'est en 1989 qu'un groupe d'amis, amoureux de ce lieu, crée l'Association pour la sauvegarde et la valorisation du prieuré et du patrimoine de Saint-Rémy-la-Varenne. Et maintenant, remontons le temps. C'est en 929 que Foulque le Roux, premier des comtes d'Anjou, lègue à des religieux son domaine de Chiriacus, aujourd'hui Saint-Rémy-la-Varenne. Merci. Faites-en bon usage. L'originalité de cette donation est de l'avoir attribuée conjointement à deux communautés religieuses. Les chanoines de Saint-Aubin d'Angers et les chanoines de Saint-Lézin-d'Angers. Tout en y assurant une présence religieuse, les chanoines font prospérer le domaine et créent deux métairies, deux moulins, des bois, des vignes. Mais rapidement, des divergences opposent les deux communautés. Au Xe siècle, de nombreux désordres entre le pouvoir aristocratique et le clergé affectent la vie des églises et des religieux. Les communautés religieuses se dispersent en France et en Europe. C'est dans ce contexte que le petit-fils de Foulque le Roux, Geoffroy Grisegonel, réorganise le monastère de Saint-Aubin d'Angers. Et le 19 juin 966, il y fait venir des moines bénédictins de Reims. Dès lors, la gestion du domaine de Chiriacus doit se faire entre les chanoines de Saint-Lézin et les moines bénédictins. Mais au lieu de s'entendre, les deux communautés entrent dans de violents conflits. Tentative de déménagement d'un moulin, animaux égorgés, vol de denrées, incendie d'une ferme. En l'an 1014, pour mettre fin à cette discorde, Foulque III, dit Foulque Néra, partage le domaine en deux. Une partie au nord, l'autre partie au sud. Se présentant comme victimes, les bénédictins obtiennent le privilège du choix. Contre toute attente, ils choisissent la plus petite partie située au nord, qui a l'avantage de border la Loire et dont les riches prairies permettent l'élevage.
choix judicieux, car en s'établissant au contact direct de la Loire, les bénédictins contrôlent le trafic fluvial, ce qui sera un facteur décisif pour le développement du prieuré qu'ils entreprennent de construire. Un prieuré, comme on l'a vu, c'est un domaine rural qui comprend des prairies, des bois, des terres cultivées, des moulins, des métairies et des bâtiments. Le bâtiment du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne a la particularité d'avoir évolué sur plusieurs siècles, ce qui passionne les archéologues. Je m'appelle Emmanuel Litou, je suis archéologue et je travaille pour le département au sein de la conservation départementale du patrimoine. Et depuis 2 ans, nous nous intéressons au prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne. En fait, au départ, nous étions à la recherche d'un lieu pour former des étudiants en archéologie, donc un lieu qui présentait une histoire complexe. Et donc là, c'est tout à fait le cas. Quand on regarde les murs du bâtiment, on voit qu'il y a plein d'époques qui se succèdent et c'était vraiment intéressant d'amener des étudiants pour former leur regard et leur apprendre à lire un bâtiment. Et puis en fait, on s'est un peu pris de passion avec mon collègue pour le bâtiment et du coup, on a déposé un projet de recherche sur l'étude de l'édifice qui a reçu un soutien financier de la DRAC, donc de l'État. Et donc là, on continue la formation avec les étudiants et puis on mène aussi des recherches en parallèle pour comprendre l'histoire du logis prioral, du prieuré, son articulation avec la Loire, avec tout le territoire environnant et puis aussi voir comment il s'inscrit dans la durée. La première construction connue du prieuré date du XIIe siècle. Appelée aujourd'hui salle capitulaire. On suppose qu'au départ, cette pièce servait de réfectoire ou de salle de prière et de lecture. Elle a également servi de bûcher pour finir au XIXe siècle en buanderie et là, les occupants n'hésitèrent pas à percer le mur nord au cœur d'une fresque pour y faire passer un conduit de cheminée. Très dégradée, cette fresque du XIIe siècle est l'une des plus anciennes d'Anjou. Elle a été en partie restaurée au début des années 1950 et classée monument historique en 1955. À partir du XIIe siècle, le prieuré est connu pour être l'un des plus riches d'Anjou, ce qui permet la construction d'un logis prioral implanté au nord-est du site, suivi d'une extension 2 siècles plus tard. Alors, nous sommes ici dans un corps de bâtiment qui a été rajouté au logis prioral dans le courant du XVe siècle. Donc, c'est un édifice qui abritait 2 chambres. Chaque chambre avait sa cheminée, avait ses propres latrines. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une série de décors peints qui étaient conservés en fait, sous les badigeons. Alors, des décors peints qui sont peut-être un peu plus tardifs, peut-être 15e ou 16e siècle. Donc là, on voit qu'il y a des sondages qui ont été faits. Et donc, il y a un projet maintenant qui consisterait à dégager l'ensemble de ces peintures pour essayer de restituer l'ensemble du décor de la pièce. Au XIVe siècle, les dernières digues solides constituant la levée de la Loire sont achevées. Lors des crues, l'eau se reporte sur la rive gauche et le prieuré originel devient inondable. On estime que les caves que l'on peut visiter aujourd'hui, constituaient le niveau initial du bâtiment. Elles étaient vraisemblablement utilisées comme espace de stockage et servaient de cellier. Progressivement, les crues de la Loire se font de plus en plus envahissantes. Les caves sont abandonnées et, comme vous pouvez le constater, en partie remblayées. Le bâtiment principal est alors surélevé par un système de colombage articulé avec la nouvelle charpente. Alors ici, nous sommes dans le grenier qui date du 15e siècle, donc une phase de rehaussement du bâtiment. En fait, à l'origine, la situation était complètement différente. En fait, il n'y avait pas du tout de plancher sous nos pieds, c'est-à-dire que les personnes se trouvaient dans la salle au premier étage et quand ils levaient la tête, en fait, ils voyaient l'ensemble de la charpente.
Cette charpente, elle était un petit peu plus basse que la charpente actuelle, elle partait à peu près d'ici. Et puis pour augmenter la surface du bâtiment, dans les années 1440, on a fait le choix de rajouter encore un étage. Donc on a construit le plancher qui se trouve sous mes pieds, on a édifié ces murs latéraux en pan de bois, et puis on a édifié cette très très belle charpente, donc vers 1440 à peu près. Et ultérieurement, pour embellir le bâtiment, on a fait le choix de remplacer le pan de bois par cette maçonnerie, donc qui a été montée avec des belles pierres de taille de tuffeau, sans doute dans le courant du XVIe siècle. Comme le temps passe vite, je vous ai laissé au Xe siècle et nous voici déjà au XVe. Et tout cela pour vous parler encore de rivalité. Juste, on change d'échelle et de personnage. En effet, au XVe siècle, les conflits s'intensifient entre le pape et le roi de France, Charles VII. Ce dernier, pour reprendre le contrôle de la situation, décide que, désormais, c'est lui qui nomme évêque, abbé et prieur. Et cela change tout. Oui, oui, oui. Surtout pour certains, vous allez voir. À partir de cette mesure, les nouveaux prieurs ne sont pas nécessairement des religieux. Non, non, non. Ils peuvent être des nobles fortunés qui se retrouvent à la tête d'un nouveau bien, dont ils tirent des bénéfices. Ces nouveaux prieurs sous ce régime sont dits en commande. Pardon ? Si, si, avec un E, ça s'écrit comme ça. Oui, oui, il n'y a pas d'erreur. Et ce système perdure jusqu'à la Révolution française. Au XVIe siècle, arrive le prieur Mathurin Leguet de la Hamonière. Il va consacrer une partie de ses revenus à l'embellissement du bâtiment. En façade sud, il fait édifier la tour dite Leguet. Ouvrir de grandes lucarnes à fronton carré surmontées de pignons ouvragés et incruster des médaillons d'où émergent des bustes sculptés. En façade nord, dans la partie basse, il fait réaliser une fenêtre Renaissance. Puis, Mathurin Leguet transforme le corps de logis prioral en une vaste salle de réception. Des médaillons sont sculptés, les murs et les poutres sont peints. Mais l'ouvrage le plus remarquable de cette salle est la cheminée, aux dimensions hors normes, richement sculptée et intégralement peinte. Elle a été restaurée en 2013. Ultérieurement, la façade nord subira quelques remaniements dont l'échauguette. L'une des fenêtres à meneaux est transformée en porte-fenêtre. Un remblai masque définitivement les niveaux inférieurs et la réalisation de la terrasse permet de protéger le bâtiment lors des grandes crues de la Loire. Aujourd'hui, les visiteurs ont le plaisir et la chance de découvrir le prieuré en partie restauré. C'est grâce à l'engagement de la municipalité qui se démène pour trouver des financements et grâce à la ténacité des bénévoles de l'association Le Prieuré. Depuis 1991, ils se dépensent sans compter pour faire vivre ce lieu de plus de 1000 ans. Et cela en organisant tout au long de l'année des animations, des journées pédagogiques, des sorties à thème, des jeux de piste, des ateliers, des soirées théâtrales et bien sûr, les orthonales. Vous venez de découvrir une partie de l'histoire du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne. Mais l'histoire n'est pas terminée. L'aventure continue. Des archéologues et des historiens travaillent toujours sur le site. Alors je vous dis à bientôt au prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne.